Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire le tutoriel du cookie. Alors pour cela en pâte Fimo vous aurez besoin de blanc et de chocolat en fait déjà cuit en forme de boudin pour faire les pépites. Donc ensuite vous aurez besoin d'un outil pointu, d'une brosse à dents, d'une lame, d'un pinceau pour appliquer les pastels secs et d'une boule d'aluminium. Alors pour commencer, on va étaler la pâte blanche. On fait deux tas de pépites. Donc celle-là, on ne va pas s'en servir tout de suite. Donc pour celle-là, en fait, on va mettre notre pâte dessus. Voilà. On va replier. En fait, on essaye de toutes les prendre. On replie. Voilà, on fait une boule, puis un boudin. Alors, voilà ce que ça vous donne. Donc on fait un beau boudin. Ensuite, avec la lame, on va découper plusieurs rondelles. Donc voilà. Je prends une rondelle. Je l'étale. En fait, chaque rondelle va nous faire un cookie. Donc, je texture le cookie avec ma petite brosse à dents et ma boule d'aluminium. Voilà, et je vais aussi venir texturer avec mon outil pointu. Et donc avec les pépites que j'ai laissées de côté, donc je vais en mettre quelques-unes dessus. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, donc je vais prendre des pastels secs. Donc je vais prendre tout d'abord du beige. Donc j'en mets partout sur mon cookie. Et ensuite maintenant je vais faire l'effet cuit en mettant du jaune, du orange, du rouge, etc. Donc là je mets du marron sur les contours de mon cookie. Voilà, donc je remets des pépites sur le cookie. Et donc voilà le cookie que ça vous donne. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.